この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Sky Odyssey sur PlayStation 2. Un jeu d'avion, comme vous l'aurez compris, mais un jeu d'avion un peu particulier puisque ce n'est pas forcément un jeu de combat aérien. C'est un jeu un peu plus contemplatif. Enfin, contemplatif. Comment on pourrait le comparer ? Aerodancing peut-être ? Enfin, c'est plutôt. Voilà, on apprend à piloter, on a des missions avec des avions. Mais c'est pas dans le thème de la guerre. Voilà, tout simplement. Alors, on a plusieurs modes de jeu. On a le mode aventure, le mode voltige, le mode dessin, le mode instruction, vol libre, hangar, etc. Kit avec de T en plus. Il manque un E et un R. Bon, je vous montre un peu les trois. Donc, par exemple, on a un avion là. Vous voyez qu'on a plusieurs avions. On a le Swordfish, on a le Pulsor Réacteur Proto, le BF-109 Custom qui est un vrai avion. Hein, c'est un Major Smith. Et par exemple, si je prends celui-là. Je peux faire modifier l'avion. Et là déjà, première chose un peu étonnante, c'est le choix des musiques. Le choix des musiques dans ce jeu. J'ai l'impression d'avoir joué dans un MMORPG, ou un RPG. Un jeu d'aventure, mais pas du tout un jeu d'avion, mais bon. Ils sont un petit peu trompés au niveau des... Bah, je sais pas, au niveau sonore, ça paraît étrange. Dans tous les cas. Là, on a des ailes, des queues, des moteurs, des hélices, une verrière, un fuselage, et on peut changer en version A ou B. Alors si je fais peinture, par exemple, bah, je peux m'amuser à prendre une zone. Voilà, si je veux, et je la peins de la couleur que je souhaite. Donc ça, c'est pas mal. Je peux mettre les tons de bleu, alors ça, c'est juste pour avoir les couleurs. Bah, tu, on va le mettre comme ça, par exemple. Voilà, je peux changer la zone 2, par exemple. La zone bleue, c'est le... Je pense que c'est la zone 2, d'ailleurs, on va mettre en noir. Voilà, la zone 3, pour la mettre en blanche. Même si j'ai oublié tout ce que ça change, la zone 3, en fait, hein, je sens qu'il n'y a aucune différence. La zone blanche, on va la garder aussi. Ah si, c'est zone blanche, ok. Et par exemple, la zone 5, on va mettre du... Non, ça n'a pas marché, je crois que c'est la zone rouge hein, que j'aurais dû faire, c'est celle-là. Voilà, par exemple, on pourrait faire ça, sortir un petit peu au baron, baron rouge. Et je peux donc choisir différents types de motifs, et changer la couleur de l'avion. Bon, là c'est bon, j'ai pas mon appareil, je suis très content. On va faire du coup une mission en mode dessin. Donc on a les règles du mode dessin et on a, eh ben, on a les premières missions, tout simplement. Alors on va faire directement la mission numéro 1. On a mode normal, alors mode normal, mode facile, c'est... Juste au niveau du maniement en fait. C'est-à-dire que vous avez le maniement à l'escombat 2, c'est-à-dire que vous allez à droite, l'avion va à droite. Là, c'est en mode normal, ça fait un tonneau et c'est au fur et à mesure du tonneau, il faut redresser le nez pour tourner. Et franchement, la musique, on a l'impression d'être dans un Ghost in the Shell quoi.
J'ai pas l'impression d'être dans un jeu d'avion. Bon, donc on va jouer ça un petit peu à nouveau. Donc là, on va faire une ligne droite. To clear this stage, release smoke while flying from ring 1 to ring 2. Voilà, simplement. Donc on va faire des dessins, on va faire des figures avec notre fumigène. Donc je ne sais plus comment on l'active d'ailleurs, mais... Ok, c'est comme ça. Donc là, je vais aller dans le truc ici et je vais l'activer maintenant. Voilà. J'ai plusieurs vues. J'ai une vue un peu embarquée, une vue extérieure, une vue un petit peu éloignée et une vue de face. Là, j'ai coupé mon fumigène. Et je fais ça. Et j'ai mon score final. J'ai fait un score parfait. Ouais, je suis trop fort, j'ai réussi à tracer une ligne droite avec un avion. Incroyable. En tout cas, j'ai réussi. On fera faire le tableau suivant. Ça, je compare avec Aerodancing, ce genre de jeu sur Dreamcast, parce que il y avait aussi ces modes de jeu, en fait. Hein, avec des balais aériens, avec comment dire, des acrobaties à faire avec les avions. Et du coup, c'était assez marrant. Alors, on va faire les défis numéro 2. This time we will draw an equilateral triangle. This stage contains rings numbered 1 through 3. Fly through ring 3 and the finish ring will appear. Voilà, on va faire un triangle. Ok. Donc là, ça va être un peu plus compliqué, hein, je préfère vous le dire. Le jeu n'a pas tendance à être facile. Alors je vais regarder cette vue qui pour moi est la plus pratique. Ah non, c'est bon. Oula, j'étais dedans. Alors ce qui est le plus drôle, évidemment, c'est de voir à la fin la figure qu'on a réalisée, qui en général est assez dégueulasse quand on est mauvais. Là, j'ai relâché. Alors ce qui est bien, c'est que sur la carte, que vous voyez en haut à gauche, je peux pas à peu près me mettre dans le bon sens. Hein. Je peux baisser aussi la vitesse. Voilà, par exemple, là, j'ai fait ici. J'ai baissé la vitesse là, comme ça, je suis pas trop rapide. Voilà, on va mettre ici. Ici le fumigène. Alors je vous ai pas trop parlé des maniements pour le moment, on va y venir après, vous inquiétez pas. Voilà. Et là il me reste un troisième anneau à faire, enfin un troisième passage. Alors je peux augmenter la vitesse, voilà. Ou la baisser, c'est la jauge qu'on a en bas à gauche. Et j'ai un temps limite bien sûr, je ne vais pas prendre non plus toute la journée pour faire ça, sachant que plus je mets du temps, plus la partie en verte se retrouve moins visible. Donc là je relâche les fumigènes. Et c'est terminé. Alors je pense que je n'aurai pas un score parfait cette fois-ci bien sûr. Alors on peut voir que notre triangle n'est pas spécialement bien réussi. Bon, pas mal avec la vue de nuit, c'est assez marrant. Et on voit évidemment que ça a commencé à s'effacer au fur et à mesure du temps, ce qui est logique. Donc voilà pour le mode... enfin suivant. Voilà pour le mode dessin, hein, tout simplement. Je vais essayer de dessiner plein de choses. Ça peut être un cœur, ça peut être... voilà. Et à la fin, réussir à être le plus précis possible. Ensuite, on a un mode voltige. Bien, c'est que cette petite vidéo nous montre un peu ce qu'on va faire, ce qu'on est censé faire. Donc on va changer d'avion. Tiens, d'ailleurs, on va prendre un petit pulso réacteur proto. Je sais pas si ça va être mieux ou pas, mais bon, on va lancer le niveau. Et vous voyez, on a plusieurs niveaux. Ah, vous voyez toute cette carte, île d'Arcadie, île blanc, île courant, île du destin. C'est un truc qu'on va voir un peu plus dans un autre mode de jeu tout à l'heure. Vous allez voir, c'est assez grand. On peut changer les règles, la météo. Vous allez voir, la météo, ce qui est marrant dans ce jeu,
La pression barométrique est un courant ascendant de vapeur d'eau, est une masse d'air, est un front et. Ça veut rien dire. Pourquoi le vent souffle-t-il? Pourquoi la pluie tombe-t-elle? La pluie tombe lorsque les gouttelettes d'humidité présentes dans les nuages proviennent trop lourdes pour demeurer en l'air. Incroyable. C'est qu'une suite de questions, c'est incroyable. Le front météo est. Le front résulte de la collision entre une masse d'air froid et un autre type d'air chaud. Une ligne indique le type de front et la direction dans laquelle se déplace. Alors, ce qui est énorme, c'est qu'en gros. J'avais pas fait gaffe, ils vous apprennent là carrément en fait ce que c'est la météo et pourquoi? Par exemple, on va faire légende des lignes de la carte météo. Outre ces symboles, le mot front est également mentionné sur la carte. Une ligne isobare est une courbe reliant les points connaissant la même pression barométrique. Les zones correspondantes aux lignes indique les régions connaissant les pressions différentes. Le symbole barométrique est écrit dans la partie centrale de la ligne isobare et indique que la pression est haute ou basse. Vous allez jusqu'à une zone de la carte où les lignes isobares sont proches, vous y rencontrerez des vents forts. La carte comporte également des lignes isothermes indiquant des variations de température sur un système identique à celui des isobares. Voilà la fameuse île, hein, au passage. Et d'ailleurs, quand on fait un mode. Quand on fait un mode libre, on se balade sur ces îles, et bien on peut changer le temps et le moment de la journée. On peut faire ça de nuit, on peut faire ça de jour, vous allez voir, c'est assez simple. There are two sets of six targets in this stage. A red set and a blue set. To complete the stage, pass through six targets and land before time runs out. Bon, j'ai passé. Et justement, c'est ce que je disais. Ouais, on a la météo, là, ici. Donc là, c'est 14h20, par exemple. Mais si je fais play, je peux. Là, par exemple, on voit qu'il pleut. Je vais commencer, en fait, au point. Le point carré qui est au milieu, en bas. Donc je sais qu'il va faire beau. Donc potentiellement, j'ai pas besoin de changer. Mais si je trouve que je préférais faire la mission, par exemple, de nuit, ou le faire sous la pluie, etc., eh ben, je peux très bien la faire sous la pluie. Il suffit pour ça de faire une avance du temps rapide. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, le temps va changer, va progresser. Et dès que vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, eh ben, vous pouvez utiliser le temps que vous voulez, simplement. On peut voir les pressions, on peut voir la couverture nuageuse, la température, le vent et la météo. Et start, c'est pour commencer. Allez, c'est parti. Alors, je vous raconterai un peu sur le jeu, quand j'étais gamin, comment ça s'est passé. Alors, j'ai un niveau d'essence en bas, au lieu à 99%. Ce qui fait que je peux pas non plus prendre mon temps. Alors là, on va commencer directement par la partie droite. Hein. On va prendre la partie droite, c'est-à-dire celle-là. Voilà. Alors vous allez dire pourquoi je mets cette vue? Bah, tout simplement parce que c'est la vue la plus pratique, je trouve. Cette vue est pas mal, mais comme elle est un peu, voilà, elle tanque beaucoup. Je sais pas trop comment faire. Ah, je dirais que je m'étais crashé. Il y a aussi un mode. Alors normalement, je peux enlever les. Normalement, je peux enlever, il me semble, le. Comment dire? 3, 4, 5, 6. C'est lequel celui-là? Ça, c'est le 4. Je peux enlever si je veux. Le train d'atterrissage. Voilà, c'était comme ça qu'il fallait faire. J'ai oublié. C'est avec le triangle. Donc le point 2, on le voit, il est là-bas. Donc on va aller le chercher. Alors je peux baisser un peu la puissance, augmenter. 312 nœuds, ça me paraît beaucoup, mais bon, on va quand même le prendre. Et je dois faire ça en moins de 6 minutes. Alors là, j'ai pris un point parce que je pense que je l'ai pas pris dans le bon sens. Alors peut-être qu'il faut que je vise vraiment le centre de la cible. Donc là, on va faire tous les rouges, hein, pour commencer. La musique est super bien. Franchement, j'aime bien. Là, si je la prends à l'envers, qu'est-ce que ça fait? Si je la prends en plein centre. Ouais, j'ai 6 points, donc en fait c'est peu importe le sens dans lequel on le prend, tant qu'on est bien pile dessus, c'est parfait. On va aller charger le point 4. Alors pour la petite anecdote, c'est un jeu que j'avais, donc que j'ai vu à l'époque, c'est un jeu qui est sorti tôt, hein, en 2001 il me semble, par rapport à la PlayStation 2, c'est vraiment les premiers jeux, fait partie des premiers jeux.
Ah, j'ai eu qu'un point, parce que j'ai pas touché le... Ok. Faut vraiment toucher le bouton central, hein, vraiment le cœur de la cible. Et du coup, franchement, c'était l'époque où j'étais un peu nul, hein, donc concrètement, c'est pas le genre de jeu qui me plaisait. Bon, j'ai joué un peu, pas mal de fois. Ouais, 6 points, parfait. 6 points, le point 6 c'est là-bas. Et du coup, comment vous dire, c'est un jeu qui, bon, maintenant paraît beaucoup plus facile évidemment avec le recul. Mais quand on est gamin, c'est pas trop ça. Enfin, je sais pas. Il y avait un truc qui m'empêchait de faire ce genre de mode de jeu. Je sais que je jouais qu'au mode aventure. Parce que j'ai l'impression d'être beaucoup plus libre. Il y a des missions dans le mode aventure, vous allez voir, on va débloquer ça. Atterrir sur une piste rouge ou bleue. Donc en fait, maintenant, je vais devoir atterrir sur une piste rouge ou bleue. Ah bah, la piste rouge, elle est là. Donc là, il nous l'indique normalement, la piste. Donc on va aller là-bas. Ah, par contre, elle est pas du tout dans le sens que j'imaginais. Bon, je vais remettre un tout petit peu les gaz quand même pour éviter de prendre trop de. On va sortir les trains avec le triangle. Alors, oui, ne me portez pas préjudice par rapport au. Par rapport au maniement. Je suis pas du tout précis dans cette vue. Là, je serai un peu plus précis déjà. Alors, je sais pas comment on freine par contre. Non, je peux changer la vue. Alors, je vous ai pas montré, mais on peut aussi faire disparaître les éléments. Voilà. Donc là, on a réussi. Bon, alors, des cibles, on l'a bien faite. Donc, du coup, on a la médaille d'or. Et on a free la piste rouge. Donc, on s'est pas trompé. On a mis 4 minutes. Donc, ça va. Il nous reste 2 minutes de marche pour le finir. Ça semble assez faisable. On peut voir la rediffusion, ce qu'on ne va pas forcément faire. On va faire suivant. Un peu même sur la rediffusion effectivement. Et donc c'est un jeu, comment dire, que j'avais prêté à l'époque. Parce que bon, j'avançais pas vraiment, puis je jouais à autre chose. J'ai plus une peur, même avec les jeux de PS2, je jouais encore aux jeux de Play. Enfin, c'est... voilà. Et du coup, alors je vais vous faire tester quand même le mode aventure. Pour les jeunes et ceux qui le sont restés. Une aventure aérienne à nul autre pareil. Ah mince, je pensais qu'il fallait que je fasse suivant en fait. Malgré les tentatives courageuses, un groupe des 4 îles est resté inexploré. Leur terrain difficile et leur climat peu clément leur ont permis de demeurer des terres mystérieuses. Pour découvrir leurs secrets, un aventurier devra conquérir leurs cieux et bien plus encore. Donc là, je suis sur un avion. Bah écoutez, ce qu'on va faire. J'aime bien le triplan. Mais je vais quand même vous montrer le Mr. Smith. On va faire une petite modification d'avion. Parce que j'ai envie. On peut changer le nom d'ailleurs. On peut mettre des emblèmes. C'est sympa, attendez. Sélectionner, par exemple, si je veux, je peux mettre. Voilà, on peut mettre un avion. On peut mettre un avion. On peut mettre ça. On peut ne rien mettre. Et la peinture, bah moi je vais mettre la peinture, j'aime bien la peinture, j'adore la peinture. On va le faire par exemple bah, tout bleu, hein, pourquoi pas. Voilà, on va mettre tout bleu aussi comme ça. Zone 3. Voilà, zone 4. Ah, j'ai mis noir, bon peut-être que noir c'est un peu trop triste. Rouge, on va mettre rouge pétard, tiens. Voilà. Zone 5. Pourquoi j'aurais pas choisi? Ah, zone 5. Bon, pas grand chose, c'est pas. On va faire bleu et rouge, hein. Tant pis, c'est juste pour tester. Et donc, vous voyez, tout ce qui est en bas, en fait, sont des choses qu'on va débloquer. On va faire lancer la mission. Pour la mission, l'aventure commence. Alors, on a lancé la mission, les anneaux de passage, les points acrobatiques. Donc, apparemment, temps visé, c'est 7 minutes. Anneau de passage, 12. On va lancer la mission. Your mission. Safely navigate the ravine near the eastern shore of Arcady Island and land in the clearing. The weather is clear, with some cloud cover over the ocean. Fly northwest towards the ocean.
Once you see the ocean, change course and fly due north. Be careful of sudden gusts and air pockets. When you reach the shore of Arcady Island, fly into the ravine. Fly through the ravine to avoid strong gusts of wind, but be careful to avoid rock slides inside the ravine. Follow the arrow on your radar screen to the clearing. Once you reach the clearing, there will be an airstrip. Land here to complete your mission. Voilà, donc ça paraît pas très compliqué, c'est la première mission. Et ouais, c'est une mission plutôt sympa. On va commencer soft. Alors je vais faire des points acrobatiques, mais les points acrobatiques en fait ça se passe vraiment. Alors je voudrais que c'est un peu plus fort. Ça se passe vraiment une fois qu'on est près des poteaux. Alors là je peux me lever. Je vais désactiver ça. Je vais mettre en vue comme ça. Et là par exemple typiquement je peux mettre à fond. On a un point de passage. Et je crois qu'il faut absolument pas les louper ceux-là. Je sais pas du tout où il faut faire les points par contre. Parce que si par exemple je fais un tonneau, comme vous pouvez voir là. J'ai fait les points tonneaux. Bon, 200 points, pourquoi pas. Alors on a expliqué qu'il y allait avoir un front nuageux quand on va être près de l'océan. Mais bien entendu après, quand on sera passé dans la zone... vers le nord, hein. Il nous a donné le nord. C'est pour ça qu'on va mettre cap au nord. Quand on sera passé là-bas, on aura moins d'air qui va nous perturber. C'est juste, c'est justement pour ça qu'on va aller dans le ravin en fait, et pas passer par le dessus. Mais typiquement, on pourrait aller tout en haut. Hein. Et ouais, qu'il y a quelques effets graphiques qui sont plutôt pas mal. J'ai pas trop parlé encore des graphismes. Mais franchement, bon, c'est les premiers jeux de la Play 1. Ça fait partie des premiers jeux de la Play 1. Le jeu était pas mal pour l'époque, franchement. Bon, quand on passait de la Play 2 à la Play 1 à la Play 2, c'était quand même sympa. Mais bon, c'était pas non plus les jeux les plus merveilleux qu'on ait jamais vu. Disons que là, les détails sont assez grossiers, je trouve. Par contre, je vais peut-être baisser un peu la vitesse. Hein. Ça sert à rien d'aller trop vite. Il y a quelques détails graphiques plutôt sympas. Ça, c'est sûr. C'est un jeu qui est plutôt sympa. Et oui, voilà, on a les éboulements. Faut faire gaffe quand même. Faut pas se les prendre. Et surtout, il faut pas louper les points de passage. Alors on peut faire le fou pour le moment. Oui. Voilà, mais après il faut se calmer. Faut se calmer. Et vous allez voir du coup qu'il y a quelques événements qui vont se déclencher pendant qu'on va être dans le ravin, bah, notamment là. Il y a un éboulement qui s'est créé. On l'a vu hein. Allez devant. On a carrément la colline, la falaise qui s'écrase, attention. Oh là, attention, il va falloir que je monte. Fou. Ah, c'est pareil, attention, on a les rochers qui explosent. Voilà. Et ça, c'était pas mal. Moi, je sais qu'à l'époque, je trouvais ça quand même super bien. C'était quand même super bien fait. Et vous voyez, quand je suis au-dessus du ravin, eh ben, j'ai beaucoup d'air qui m'empêche en fait de vraiment piloter. Et qui m'empêche du coup de me relever du ravin. Il faut que je passe en dessous. Ça a failli totalement s'effondrer, regardez-moi ça. Alors ça c'est assez drôle dans l'idée parce que... Oh mon dieu, la falaise qui s'effondre complètement. Au secours. Alors ça par contre c'est le genre de moment où on a envie de le voir en replay par contre. Parce que franchement ça doit être assez épique. Pour l'instant ça se passe bien. On est passé par la zone, on s'est pas fait avoir par le décrochage de la roche. Voilà, donc j'ai pas tant de souvenirs que ça du jeu vraiment, parce que honnêtement, je n'ai jamais passé la première mission. Clairement, j'ai jamais fait mieux. Je me suis arrêté là, je sais, quand j'étais gamin, j'avais essayé de m'arrêter ici. Je comprenais pas trop l'intérêt, mais bon, c'est une époque, après, bon, ça c'est Trotsky's My Life, mais c'est une période en général, j'avais peur des nouveaux jeux. J'ai détesté l'inconnu et du coup, j'osais pas aller plus loin. Donc en gros, je n'allais jamais plus loin que le jeu. On va baisser un peu. Je suis passé?
Ah, je crois que j'ai loupé le... Attendez. Je crois que j'ai loupé le point de passage. Ah, elle était au-dessus. Et oui, j'arrive pas à passer à cause du vent. Ah, il faut 7 minutes pour le faire. Peut-être que j'aurais dû tant pis, ne pas les prendre tous. Bon, c'est pas grave. Je vais accélérer à fond. On va monter. On va tourner. Voilà, on est au-dessus. Ah, on a le vent qui nous aide quand même, hein, je pense. C'est pour ça que j'ai eu du mal à reprendre de la vitesse. Voilà, point de passage. Allez, c'est parti. Il nous reste plus que 2 minutes par contre, on va falloir faire vite. Regardez, on a le vent qui nous pousse vers le côté droite. Côté gauche, pardon. Et du coup, bah, faire attention. Vraiment, le vent a un impact dans ce jeu. Alors, faut faire vraiment, vraiment attention à ça. Et voilà, on est arrivé. On est sorti. Et vous voyez là-bas, on doit s'arrêter sur la ligne de la piste d'atterrissage. On va dire pourquoi je le vois comme ça, tout simplement. Parce que je vais faire en sorte de m'arrêter sur le côté. Voilà, et le fait de lever mon nez, ça va faire tomber la vitesse d'un coup. Regardez, j'ai juste mis... Je l'ai juste mis au dernier moment. Par contre, l'atterrissage est horrible. Je sais pas s'il y a des points d'atterrissage, mais j'ai quand même mis un A. J'ai complètement oublié de sortir le train d'atterrissage. Donc on pourrait voir la rediffusion. Enfin, oui. Voilà, on peut voir le... On voit notre départ. Avec un petit effet de blur tout autour. Que vous voyez légèrement dans le jeu. Par contre c'est bizarre parce que... Oui, c'est le jeu qui gère la caméra. Moi je gère rien du tout. Et du coup c'est un petit peu dommage parce que bah j'aurais aimé pouvoir changer les vues, ça aurait été intéressant. Bon, on va faire suivant. On va essayer de voir la mission 2 que je n'ai jamais faite de toute façon. Donc on va la découvrir ensemble. Ah regardez, on a gagné une aile. Voilà, LALF. Et du coup regardez, ça change la forme de mon avion. Ce qui fait que, regardez la différence que l'on a. Au niveau des statistiques, par exemple, elle a 249 nœuds. Celle-là, elle est beaucoup plus rapide. Ça, c'est les ailes très très rapides, mais la stabilité est très réduite. Je pense que l'idée, c'est de prendre quelque chose de moyen. Tout simplement parce que bah, il vaut mieux avoir un petit peu des deux. Parce que si la stabilité est pas bonne, bah, en gros, la manœuvrabilité est quand même assez basse. Donc, on va tenter 17 taux de montée. Ouais, la montée, ouais, par exemple, elle est pas très haute. On va mettre l'aile D, par exemple. Et du coup, quand je suis dans la modification des avions, maintenant, j'ai le choix entre les deux. Prendre l'aile D, voilà. Et on va lancer la mission. Et là, on va faire la mission Desert Express. Alors, Andro, au briefing. Bien sûr. Your fuel tank has sprung a leak. Fly your aircraft to the airport on the west coast for repair. Notre réserve de carburant fuit rejoint l'aérodrome de la côte ouest pour réparer. Le temps est clair, décoller et voler vers l'ouest. La fuite du réservoir réduit votre autonomie, vous devrez ravitailler en chemin. Rendez-vous with the refueling train. Continue to the airport and land. Regardez-moi ça, regardez ce qu'on va devoir faire. Hein. Fly directly above the train and synchronize your speed. Descend until your aircraft engages the mechanism on top of a refueling car. C'est de faire un truc de taré sans déconner, hein. En deuxième mission. If you are going too fast or too slow, you will not engage. While refueling, continue to watch your speed. If you stray from the train, the refueling hose will detach. When finished refueling,
fly away from the train or press the circle button to detach. You can refuel from the train as many times as necessary. Once you arrive at the town, complete your mission by landing at the airport near the end of the railroad tracks. Excellent, excellent. Mais écoutez, on va essayer cette deuxième mission. Bon, de toute façon, il fuit, mon... Donc ça va pas changer grand-chose. J'arrive même pas à me lever. Vite, on va enlever le train. Que du coup, le train, ça fait perdre de la vitesse. En général, dans les jeux, ça fait perdre de la vitesse. Alors, où est ce fameux train ? On a un village, alors oui, c'est ce que je critiquais un petit peu tout à l'heure, c'est le fait que le... C'est le fait que le jeu manque un petit peu... Alors vous savez, quand je réduis ma vie, alors je suis concentré en même temps, vous savez, quand je baisse un petit peu ma vitesse, la consommation est beaucoup plus basse. Hein. Et là, je suis censé passer au niveau du train. Oh là là, mon dieu. Il va où le train? Il est où ce fichu train? Il est allé où ce train? Au secours? Non! Au secours! Il est allé où ce train? Oh non, je suis dégoûté. En fait, le train a totalement disparu. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va mettre plein de gaz. En fait, il faut que je reste dans cette vue, hein, finalement. C'est peut-être la seule vue. Voilà, ça m'évitera de perdre toute ma... En fait, ça change rien, je perds autant en accélérant qu'en accélérant pas. Du coup, on va aller chercher le train. Ce passage en force. J'ai raté le point de passage, on va le prendre là. Faut quand même que je prenne le point de passage. Le train a disparu. Alors il me reste 11%, j'y arriverai pas. Mon moteur est mort. Est-ce que je vais pouvoir m'arrêter sur le train ? Allez, 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 on garde la vitesse, on garde la vitesse. Oh non, je vais pas réussir, je vais pas réussir. Ah non, c'est bon, je n'aurai jamais ce train. Bon, on va tenter une dernière fois. Ok, donc déjà... On va chercher le train direct.
Ah, par contre, je sais pas si je suis obligé de prendre toutes les portes. Je pense qu'il vaut mieux en prendre parce que ça permet de gagner des points si on finit la partie, mais. Allez, on va le rattraper vite. Bon, des 152 nœuds, ça devrait le faire. Faut que je me ravitaille, faut que je me ravitaille, attention. Alors là, je vais essayer de le passer. De toute façon, je prends les points de passage. Vous voyez que le train. Oh non! Ah bah là je suis mort, là je suis mort. Bon, bah j'ai complètement échoué là. Alors peut-être que j'aurais dû directement accélérer après avoir fini celui-là. Alors pris le ravitaillement sur lui et après passer à la suivante. Bon. De toute façon on va s'arrêter là. Bon c'est dommage hein, c'était. On va même revoir la diffusion. On va revoir la rediffusion quand même, juste pour le plaisir de ce ravitaillement sur train exceptionnel. Bon, en tout cas, c'est un jeu qui est compliqué, vous l'aurez compris. Alors évidemment, si je refais 50 fois la mission, il y a bien un moment où on va y arriver. Hein. C'est du die and retry, il faut continuer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on y arrive. Mais c'est un jeu... Voilà, c'est un jeu où vous allez découvrir une île. Chaque mission va être un petit peu différente. Il y a des missions qui vont être très très sympas. De la deuxième est quand même plutôt cool. La première était assez simple aussi, mais plutôt originale. Donc c'est un jeu que je conseille si vous aimez... Bon, c'est pas... comment ça dire... si vous n'êtes pas gêné par les graphismes qui ont pas mal vieilli. Le maniement est assez fun, hein, assez arcade certes, mais avec ses petites deux de difficultés quand même, hein, vous avez pu le voir avec le vent, avec le couple, avec pas mal de choses. Et là on avait réussi, hein, on avait réussi, j'ai pas compris par quel miracle auquel on avait réussi à se mettre en ravitaillement, regardez attention. C'était quand même plutôt la classe. Là, je crois que j'étais en ravitaillement d'ailleurs à ce moment-là. Et là on a loupé, je crois que j'ai... Si c'est bon, là on s'était fixé. Et c'est là où j'avais pas assez de vitesse pour rester fixé longtemps. Donc je pense que j'aurais dû pouvoir rester fixé plus longtemps pour réussir la mission. Bon, on a échoué, c'est pas grave. À vous d'essayer de faire mieux, bien entendu. Sur ces belles images, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!